Donc Patrick Simon, donc du symposium de la CNT, Confédération nationale du tourisme, là. Donc très heureux de participer en tant que membre organisateur, disons, pour ce Smart City sur Agadir, qui dans le cadre pédagogique avec l'Universiapolis, avec l'université, avec Technoparc, avec la Cité de l'innovation, est à même de considérer le transfert justement des jeunes dans le cadre d'un développement digital pour tout ce qui représente un petit peu le côté environnemental de la ville, dans ville d'Agadir, qui avec un plan de développement urbain, avec un plan de développement régional au niveau de la région, permet de considérer un petit peu la valorisation d'un développement présent mais futur. Agadir représentant justement une ville en pleine évolution, en pleine transformation, et qui va savoir se mettre justement dans le cadre des compétitions de toutes ces villes internationales qui ont justement approuvé le cadre de la Smart City. Alors la Smart City, c'est un fait du digital, hein, c'est le fait de coordonner le maximum d'informations entre, disons, l'administration, entre les populations. Mais là, actuellement, nous avons à faire valoir les jeunes d'une ville, mais les jeunes villes et une ville qui ne peut pas fonctionner sans le territoire. Donc il y a les provinces qui sont le vivier de main-d'œuvre pour le développement. Agadir est dans le cadre de l'agroalimentaire, dans le cadre, disons, de tout ce qui est pêche, etc., transformation, nouvelles zones industrielles. Et sur un plan touristique, le fait de reprendre un petit peu la valorisation, Agadir a été la première au Maroc. Il y a eu un certain déclin, mais qui n'était que provisoire. Je dirais que la transformation de la ville actuelle ne peut que bénéficier et va être valorisée par justement cette initiative de Innavotel, qui est avec Lotfi Benani, à travers Driss Faouzi, qui ont été des acteurs, disons, auprès des institutions, qui ont été un petit peu hésitantes au départ, mais qui certainement actuellement vont prendre le flambeau pour pouvoir permettre ensuite, disons, de répondre aux volontés de Sa Majesté de faire valoir les mégalopoles, disons, de toutes les régions marocaines.